Et salut à tous, c'est Locan pour locan.fr. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de voyage, plutôt de déplacement, puisque à partir de demain, donc lundi 6 juillet jusqu'au 12 dimanche, je serai à Nantes avec Frédéric pour les Romeleleux. Les Romeleleux, c'est tout simplement les rencontres mondiales du logiciel libre. Je vous en avais déjà parlé. Une galerie photo sera bien entendu créée pour l'occasion. J'essaierai de vous faire un maximum de vidéos, d'essayer d'interviewer des gens, de vous montrer un petit peu l'esprit du libre, comment ça se passe, puisque Fredo m'en a parlé et m'a mis des étoiles quand il m'a raconté quelques petites anecdotes. Donc je vais faire tout au mieux. Ce sera un gros reportage prévu. Il y a déjà une galerie Flickr qui est commencée, même s'il n'y a qu'une seule photo, c'est la photo de mon calendrier iCall sur mon Mac. Vous constaterez qu'il y a pas mal d'activités et que c'est un peu surchargé. Il faut maintenant que je fasse le ménage pour savoir à quelles activités je vais et auxquelles je ne vais pas. Vous constaterez aussi derrière, en plus du fait que l'iMac est disparu, enfin, on y reviendra en suivant, que je me suis acheté donc un petit sac à dos comme il faut bien, avec un sac de couchage, etc. J'ai acheté des t-shirts Quechua de Decathlon, respirants pour les laver tous les soirs, machin, enfin bref. Tout ça, ça fait partie du futur de locan.fr, je dirais, du futur de Locan aussi surtout, à savoir les voyages. Puisque pour le moment, on a pas mal parlé de geek écolo et pas forcément de passionnés de voyage. Vous savez, dans la barre latérale, je vous avais expliqué un petit peu une catégorie à propos. Donc maintenant, geek écolo, c'est bien, mais le passionné de voyage, on va le mettre en pratique. Donc, j'ai acheté ces petits sacs à dos. C'est pour ça que je vends l'iMac et le MacBook et que je prends un MacBook Pro pour avoir une seule machine qui sera nomade, puisque je fonctionne pas trop sur la planification. Il y a quelques gros voyages de prévus pour l'année à venir, mais la plupart se feront comme ça sur un coup de tête. Ça ne sera pas forcément des voyages à l'étranger super loin. Ça peut être des voyages, mettons une petite rando par-ci, par-là. Donc voilà, je vous ferai un podcast sur comment préparer son sac, puisque c'est un truc. Il y a une amie qui est partie au Pérou, mais aujourd'hui elle doit être dans l'avion là. Elle est partie ce matin. Et je me suis rendu compte que les gens ne savaient pas du tout préparer un sac. C'est-à-dire que pour partir 5 semaines, paradoxalement, plus on part de temps, moins on embarque d'affaires. Pour 1 à 2 semaines, moi je fixe ma limite à 1 semaine, j'amène toutes les affaires nécessaires pour avoir du change tous les jours sans laver mes affaires. Au-delà d'une semaine, je change de technique, c'est-à-dire que je ne prends que 2 t-shirts, un pantalon short avec les glissières au niveau du genou pour pouvoir en faire un pantalon convertible tout simplement. 2, 3 paires de chaussettes, 2, 3 boxers et c'est réglé et je fais mes machines tous les soirs. Donc évidemment c'est du vêtement technique, donc les t-shirts vous le lavez le soir, il sèche pendant la nuit, vous remettez le même t-shirt tous les jours ou presque. Donc c'est absolument pas dégueulasse puisque vous le lavez bien entendu. Et vous voyagez donc plus léger. Là, la personne en question, pour 5 semaines, a pris vraiment 5 semaines de change. Donc 20 paires de sous-vêtements, 20 t-shirts, 40 pantalons, 3 shorts, etc. Enfin bref, c'est un truc de folie. J'ai vu la valise, ça fait peur. Donc, il y aura un petit podcast pour vous expliquer comment voyager léger, voyager utile plutôt. Comment voyager aussi tout court. Donc l'iMac est disparu, le MacBook est encore là, il est toujours à vendre, il est sur leboncoin.fr au prix de 1100 euros. Ce prix est négociable, puisque j'ai tiré un peu plus de l'iMac que ce que je voulais, voir la liasse de billets ici, hop là. J'ai tiré un peu plus de l'iMac que ce que je voulais, donc le MacBook s'il part à 1000 euros, je le laisse partir. Puisque je me suis rendu compte que sur l'Apple Store Education, on pouvait avoir un MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme pour moins cher. Donc à 1000 euros, il peut partir. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Là, je vous laisse, je vais faire mon petit sac, je vous mets des liens, etc. Tout ce qu'il faut sur le blog, locan.fr, comme d'habitude. Suivez-moi sur Twitter, parce qu'il y a pas mal de news qui sont sur Twitter, dont je ne parle pas sur le blog, mettant le voyage, etc. Je vous donne des indices, je vous envoie des photos. Il y a des photos qui sont postées, au moins 4 ou 5 photos par jour, dans une vie normale, pour vous montrer, ben, j'ai acheté ça, je fais ça, je prépare ça de telle manière, comme ci, comme ça. Donc, Twitter, encore une fois, c'est plus qu'utile que Facebook. Facebook, je le mets de moins en moins à jour et ça m'énerve de plus en plus de le mettre à jour. Donc, voilà, c'était Locan pour locan.fr. Passez une bonne journée, je retourne dans mon sac à dos. Ciao, ciao!